Dans la mesure où ce livre comporte plusieurs auteurs et que j'ai deux auteurs sous la main, le titre de votre article, c'est « La métaphysique comme antidogmatisme et comme non-système », titre paradoxal, dans la mesure où on lit plutôt la métaphysique au dogmatisme, titre qui me semble se référer à Pascal, ou se placer dans la perspective de Pascal, c'est-à-dire montrer que justement la métaphysique ne s'accomplit d'une certaine façon qu'en renonçant à elle-même, c'est-à-dire qu'en renonçant à construire complètement son objet. Autrement dit, la métaphysique doit elle-même rencontrer les limites de la raison, non pas à la manière de Kant, des limitations d'un territoire, tu penses jusque-là, puis après tu n'as plus le droit de penser, mais l'idée qu'à un moment, le concept ne suffit pas et doit laisser place à la contemplation. Alors je poserai là deux questions qui sont liées, c'est que il y a des systèmes métaphysiques, hein. C'est-à-dire il y a toujours, je pense, la tentation de l'esprit, auto-fasciné par lui-même, de vouloir construire indéfiniment. Cette objectivité ou cette intention d'objectivité, elle est nécessaire jusqu'à un certain point, parce que la métaphysique, c'est le domaine de la pensée. Alors ma question, c'est quand sait-on qu'on est allé au bout de l'objectivité? Au fond, après tout, Spinoza ne s'arrête pas dans l'objectivité, alors quand est-ce que je sais que je dois m'arrêter? Et d'où ma seconde question, est-ce que ça n'est pas la religion qui nous l'apprend? Per speculum in enigmate, dit saint Paul, nous ne pourrons connaître que per speculum. Alors quand est-ce que je renonce justement à cette spéculation? Oui, je crois qu'il y a déjà, je trouve, une sorte de paradoxe à mettre cette réflexion sur la métaphysique sous le patronage de Pascal. Tout à fait. Hein? Parce que... En serait-il d'accord? Fondamentalement, je pense que oui. Oui. Bien qu'on le présente souvent comme plutôt l'ennemi de toute philosophie. Il a quand même dit « toute la philosophie ne vaut pas une heure de peine ». Bon. Mais je crois qu'en réalité, il y a bien sûr une philosophie chez Pascal, il y a une vraie métaphysique, il y a une vraie conscience de la dimension métaphysique de la connaissance humaine. Parce que c'est vrai que l'article que j'ai écrit porte au fond sur « la métaphysique est-elle possible ?». Ça, c'est une sorte de réponse à Kant, oui, qui est oui. Quand même le, enfin, disons, mon grand adversaire, si j'ose dire. Hein, enfin, mais aussi, pas seulement est-elle possible, mais est-elle nécessaire? Et je crois qu'elle est inévitable. Autrement dit, nous sommes condamnés à la métaphysique. Hein. Voilà, enfin, c'est ma thèse. Et il faut voir ce que ça signifie, ce que ça veut dire. Hein. Et alors, Catherine, vous avez parlé de la contemplation, pas seulement donc de la conception, mais qu'elle doit aussi déboucher sur la contemplation. Oui, je crois que c'est fondamental, mais comment le peut-elle? Voilà, c'est ça ma question. Métaphysique comme science, métaphysique comme voie, c'est les deux parties de votre article. C'est le paradoxe de la métaphysique, je crois. La métaphysique est une science dans la mesure où on définit comme science toute démarche qui vise à la connaissance. Oui. Donc ça lui donne indéniablement le statut de science. Après, c'est là où on touche au paradoxe, c'est une science donc, qui va utiliser les concepts, qui va construire, mais qui vise le réel. Donc le concept n'est pas le réel, c'est une abstraction du réel. Oui. Donc c'est le paradoxe de la métaphysique qui va être donc d'utiliser les concepts pour penser, pour arriver jusqu'au réel et donc abandonner les concepts. Donc c'est une science qui se transmue en escience. Oui, alors, c'est son paradoxe. Donc seul un esprit vraiment métaphysicien renonce à faire un système et devient platonicien au sens de ce qu'on disait tout à l'heure. Il écrit des dialogues et non pas un système. C'est là où tout homme est métaphysicien. Tout homme se pose cette question. Donc tout homme naît métaphysicien. Tout homme vise le réel. Tout homme vise dans le beau, dans la morale, il vise quelque chose qui est au-delà des choses et de sa pensée des choses. Il abandonne le concept naturellement, chacun d'entre nous. Oui, quand Pascal dit « le cœur sent que l'espace a trois dimensions », ça c'est réellement métaphysique. C'est vraiment de la connaissance métaphysique, c'est-à-dire au-delà du concept. C'est au-delà de la raison. Au-delà de la raison. Oui. Oui, oui. Il le dit d'une autre façon, il dit aussi « la science est quelque chose qui se boucle sur elle-même », c'est-à-dire que l'ignorant qui aborde la science, donc ne sait pas avant de l'avoir abordée, et pour certains, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout,
Et ayant fait le tour de la science, ou de toutes les sciences, pour les plus grands esprits qu'on a pu connaître, ils découvrent qu'ils ne savent rien. Et ils rejoignent, mais Pascal le dit très, très précisément comme ça, et ils rejoignent le même état d'ignorance qu'avant d'avoir commencé.